Bien, alors, continuons. Alors, dans ce Memorial Day, alors, ce monsieur s'appelle Mordenon. C'est un récupérateur. Non, un homme poussière. Nous voyons un homme poussière au sourire de travers. Malgré ce sourire, ses yeux sont durs comme de la pierre. Son bras droit est plus court que le gauche. Et il le garde collé au flanc comme s'il portait un bébé. Bonjour. Les yeux de l'homme poussière se posent sur nous. Non. Non. Dans sa bouche, ce mot résonne comme un son de cloche. Je ne sais pas. Pas de nom. Pas de nom. Je peux pas t'aider. Le timbre de l'homme poussière est étrangement chantant. Et il me faut un nom, sinon tu ne pourras pas voir son emplacement. J'ai mis mon journal à jour. On reçoit un nom à la naissance et on le rend quand on n'en a plus besoin. Mordenon, Mordenon. Ses yeux parcourent le monolithe, puis les murs. Il y a beaucoup de noms qui ont été enterrés ici par Mordenon. Dis-moi un nom et je te montrerai son tombeau. Dayanara, Dal. Voilà. Dayanara. Ses yeux se mettent à tourner dans leurs orbites, puis reviennent en place. Dans un éclair sauvage, ils parcourent les murs du monument, scannant leur nom à une vitesse inhumaine. Il indique ensuite une section du mur. Enterré. Examine l'endroit qu'il t'indique. Le nom que tu recherches est gravé dans la pierre noire, en petits caractères irréguliers. Il est presque noyé dans la masse des noms qui l'entourent. Voilà. J'avais un autre nom. Non, non. Alors, Adam. Il secoue la tête. Ce nom n'est pas encore mort. Pas enterré ici. Pas encore temps. Pas encore temps. Laisse-moi essayer un autre nom. Alors, Dal. Secoue à la tête. Ce nom n'est pas encore mort. Pas enterré. Pas encore temps. Pas encore temps. Peux-tu enterrer un nom pour moi? Il acquiesce. Quentin. Secoue la tête. Ce nom n'est pas encore mort. Pas enterré. Pas encore. Laisse-moi essayer un autre nom. Ok. J'aimerais enterrer un nom. Il acquiesce, puis sort sa petite main. Elle tremble, elle semble atrophiée. Elle a la taille d'une main d'enfant. Ça coûte cher d'enterrer un nom. 3 pièces de cuivre, ouais, 3. Pas de nom aujourd'hui. Au revoir. Ok, bah alors, on Très bien. reviendra un de ces jours le voir quand on aura un nom à enterrer. En fait, c'est pas forcément une personne. Mais bon, on verra ça. Ok, bah là, on a, c'est bon. Alors, continuons la visite. Ça, c'est à nord-ouest de la ruche. Ok. C'est fait. Oh, Ingress. Ok, c'est une femme au visage hagard, vêtue de vieille harde. Ses cheveux sont sales et emmêlés. Son teint est très sombre. Des brûlures couvrent ses bras. Sa main droite n'est plus qu'un moignon qui semble avoir été fondu comme de la cire exposée à une forte chaleur. J'ai mis mon journal à jour. Qu'est-ce que tu veux de moi? Cette femme parle avec un tel accent qu'on a du mal à la comprendre. Tu veux que je parte? Je quitterai pas cette cité. Je peux pas. J'ai essayé. C'est pas une cité. C'est une prison partout. Partout? Il y a des mondes. Il y a. Ses yeux brillent d'une lueur folle. Des sables mouvants, des champs asséchés, des mondes infinis,
où la vie et la haine naissent. Des cités de poussière, où les habitants sont que de la poussière et respirent à la cendre. Des maisons où il n'y a pas de porte. Les terres du crépuscule, les vents chantants. Elle se met à sangloter en silence, mais elle n'a pas de larmes. Et les ombres, les terribles ombres. Où sont ces endroits? Où? Où est-ce que c'est? Elle décrit un arc de cercle avec son moignon, indiquant la cité. Tout est là. Des portes, encore des portes, toujours des portes qui mènent partout. Des portes? Toi, tu sais pas ça? Elle plisse les yeux et ses dents se mettent à claquer. Je vais te dire quelque chose. Prends garde à tous les endroits où tu passes et à tout ce que tu touches dans cette cité trois fois maudite. Des portes, des portails, des arcades, des fenêtres, des cadres, la bouche ouverte d'une statue, les espaces entre deux étagères. Attention à tous les endroits clos. Ils mènent tous vers d'autres lieux. Que veux-tu dire? Chaque porte a une clé, et c'est cette clé qui leur permet de montrer leur vraie nature. Une arcade devient un portail, un cadre devient un portail, une fenêtre devient un portail. Tout désireux de t'emmener ailleurs, tous ces lieux t'enlèvent. Elle lève son bras droit et montre son moignon. Plus de main. Et parfois, il faut payer la dîme de l'autre côté. Ok. Et à quoi ressemblent ces clés? Les clés. Il y a autant de clés que de portes dans cette cité. À chaque porte, une clé. Et à chaque clé, une porte. Ses dents se remettent à claquer comme si elle avait froid. Et qu'est-ce que c'est qu'une clé? Une clé, c'est tout. Ça peut être une émotion, un clou de fer que tu tiens entre deuxième et cinquième doigt d'une main. Une pensée à laquelle tu penses trois fois. Puis une fois à l'envers. Encore une rose de verre. Plein de choses, quoi. Et ce sont toutes des clés qui ouvrent. J'ai mis mon journal à jour. Oui. Ses dents se mettent à claquer. Il ferme la bouche et plisse les yeux. Oui, je peux pas partir. Je peux pas partir. Comment es-tu arrivé? J'ai mis mon journal à jour. Deux. Elle semble un peu plus calme et son regard se perd au loin. D'ailleurs, et ça fait une éternité, je fredonnais un air dans une clairière où deux arbres morts s'étaient effondrés ensemble. Une porte éblouissante s'est ouverte entre les arbres. Et j'ai vu cette cité de l'autre côté. J'ai franchi la porte et j'ai atterri ici. Pourquoi ne peux-tu pas repartir? J'ai essayé. Elle essaie de nouveau de sangloter, mais aucune lame ne vient. Qu'une larme ne vient. J'ai essayé. Toutes les portes ici mènent vers d'autres lieux. Elle frissonne et saisit son moignon. J'ai traversé une trentaine de portails, des fois exprès, des fois par accident, sans jamais trouver le bon. Impossible de retrouver le chemin du retour. De bien avoir un portail qui te permettra de repartir. Je peux même pas partir d'ici. Ce square est là. La mort m'attend derrière cette porte. Elle indique la morgue derrière le portail, puis se retourne, le visage désespéré. Je peux aller nulle part dans cette rue cité. Tu ne peux pas partir. Que veux-tu dire? Une porte, ça peut être n'importe quoi. Cette arcade. Ok. Là-bas,
ou cette porte pouvait être des portails. Si je sais pas que j'ai la clé, je peux être envoyé dans un autre endroit horrible. Ses dents se remettent à claquer. Faut rester à l'écart des espaces clos. Ça pourrait être une porte. Je pourrais avoir une clé sur moi et je le saurais même pas. Tu as peur de passer par les portes ou les arcades, de peur qu'il s'agisse de portails. Et la caisse claque des dents. Depuis combien de temps as-tu peur? Elle plisse les yeux. Depuis la dernière fois que j'ai traversé le dernier portail, là où ma main... Elle s'arrête. Depuis mon 10e tournant. J'en suis à mon 4e, 10e tournant. Ses dents se remettent à claquer. 30 ans? Tu n'as pas franchi aucune porte depuis 30 ans? Sa vision semble s'éclaircir légèrement. Elle nous regarde et les dents continuent à claquer. C'est folle ma peau. Pour arriver ici, tu as dû passer par un portail. Le même qui te permettrait de repartir. Le tout est de le retrouver. Elle sourit. Ses dents ne claquent pas parce qu'elle a froid. Elle bouge à l'intérieur de sa bouche et ses gencives vibrent en même temps. Ses dents montent et descendent et claquent lorsqu'elles se rencontrent. Hein? Quoi? Elle t'interpelle en sifflant. Il suffit de passer par un seul portail par accident pour que la peur te paralyse. J'en ai traversé 3 x 10. J'ai perdu ma main, brûlé ma chair, perdu la tête. Elle regarde ses pieds. Plus jamais, plus jamais. Je suis désolé. Si je peux trouver un moyen de t'aider, je le ferai. Au revoir. J'ai mis mon journal à jour. Ah, intriguant. Ah, c'est plein de dimensions, etc. Plein de... Bref. Bizarre. Ah, plein de trucs là. Hein. Jour 2. J'ai rencontré dans la cité une femme défigurée du nom d'Ingress, à l'extérieur de la morgue. Elle portait des balafres terribles. Il ne fait aucun doute que les blessures dont elle a souffert ont aussi affecté son esprit. Ingress m'a mis en garde contre les portes de la cité. Selon elle, tout espace limité, un cadre, une voûte, une fenêtre, toutes ces choses peuvent se transformer en portail et vous transporter dans un lieu différent si vous marchez près d'eux avec la bonne clé. Ces clés peuvent être de n'importe quelle nature, physique ou non physique. Des pointes en fer, une pensée répétée 3 fois, une rose en verre, une émotion, tout ça. Toutes ces choses peuvent ouvrir une porte vers un autre lieu. Ingress a été transportée de son plan natal à cette cité par l'une de ses portes. Elle a fredonné un air dans une clairière entre deux arbres morts. Elle a ouvert un portail vers cette cité. Elle l'a franchi et depuis, elle n'a jamais réussi à trouver le chemin du retour. Ingress est victime de sa peur des portails. Ses expériences de voyageuse des plans l'ont rendue tellement peureuse qu'elle refuse de passer sous tout ce qui ressemble de près ou de loin à un portail. Si je réussissais à trouver un voyageur des plans d'expérience dans la cité, je pourrais trouver peut-être un moyen de la ramener chez elle. Et donc c'est une quête. Voilà. Trouver le moyen d'aider Ingress. J'ai rencontré une folle du nom d'Ingress qui courait autour de la morgue. Elle délirait
au sujet de portes et de clés, ajoutant que toute la ville n'était qu'une série de portails permettant de se rendre en d'autres lieux. Elle m'a dit que, quand elle était jeune, elle a accidentellement emprunté l'un de ces portails et s'est retrouvée emprisonnée ici. Si je parviens à trouver un voyageur des plans, peut-être sera-t-il la ramener chez elle. Ah, eh bien, c'est magnifique. Bon, on a exploré à peu près toute la zone. On va s'arrêter là. C'est fait. C'est fait. Ah, ça, c'est le mausolée. Tout ce quartier là, c'est mortuaire, on va dire. C'est fait. Cylindra. Flûte. Je le tenais presque cette fois-ci. Tu ne sais pas qu'il est dangereux d'interrompre un jeteur de sorts en pleine incantation. Tu as de la chance que je ne faisais que répéter. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé de t'avoir dérangé. Au revoir. Ok. Bon. Eh bien, là-dessus, on va s'arrêter. Voilà. On va se reposer. C'est cette femme. Cette mage. Voilà, donc voilà, sacrée histoire là, de portails, de monde parallèle, tout ça, d'univers, etc. Ça promet. Voilà, bah, à bientôt pour la suite de ces aventures. Alors, je pense que nous irons au bar de la poussière accumulée. Voilà. Pour... s'occuper de...